Et re-coucou tout le monde de seconde vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil à la GDA, parce que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo dessus. Et en soi, si j'ai arrêté d'en faire, c'est parce qu'il y a déjà une playlist sur la chaîne où on peut voir des GDA de tous les types, de tous les genres, de chaque dans la playlist. Mais je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait, donc pourquoi pas se montrer un petit peu le goût du jour. D'autant plus que je tenais à faire cette GDA-là en particulier parce que figurez-vous que ça fait depuis que je joue dans le jeu que je suis dans cette alliance, donc j'ai jamais changé. Donc ça fait depuis un an et demi, c'est ça, plus ou moins un an et demi. On va voir ça de suite depuis 538 jours, pour être exact, du coup, que je fais des guerres d'alliance avec cette alliance et je pense que c'est la première fois qu'on les détruit à un point l'adversaire, sachant que là, des 9 frappes qui restent, il y en a 6 qui sont à moi. Faudrait deviner, sinon j'aurais pas commencé la vidéo. Et en face, eh ben, on a quand même pas mal de choses. Alors, on va y jeter un petit coup d'œil. Alors, ma défense, du coup, on va pas voir ce qui vient de me tuer, mais j'ai une petite dame du lac en tank, donc en mal très rapide, c'est une tuerie. Une petite phalange, bourrinage, un petit Silien, bois de 4 étoiles, mine de rien, en très rapide, il fait son taf. Une Devanna, ça fait plaisir. Et un petit Aodin, pareil, ça fait plaisir. Alors, me concernant, ils m'ont détruit deux fois là à l'instant, du coup. Et un peu plus tôt, là, ils m'ont one-shot. Bon, là, il était chaud patate celui-là. Mais un peu plus tôt, il m'avait, voilà, trishot du coup. J'ai été tué trois fois et trois fois en six frappes, donc c'est un bon délire. Et en face, nous avons du coup cette équipe-là. Donc quelqu'un qui est niveau 64. Donc assez sympathique. En très rapide, je pense que ça va être assez casse-pied. Elle et lui, on n'en parle pas. On a un petit Mister niveau 58. On a Kaelus qui est niveau 59. Avec une équipe qui a l'air vieux jeu, mais qui va être casse-pied mine de rien. Ce petit Mister, bon, qui commence le jeu il n'y a pas longtemps, depuis 191 jours en toute logique. Hop là. Nous avons un petit niveau 44, avec une Estasia qui est mourante et pas mal de 4 étoiles. Nous avons une Christine, c'est rare qu'on ait vu ça. Qui rejoint depuis 1353 jours, donc inutile de vous dire que d'avoir bon stock de héros. Nous avons un petit Brady qui est mourant avec full Père Noël. Nous avons ici Pengui, Père Noël et Mère Nord. Donc ça a l'air de bien entamé, mais si on ne détruit pas la Mère Nord rapidement, et ben ça va être une grosse galère. Et nous avons ici un Chaboté avec un Seychat, une Dame du Lac, ben justement. Un Poséidon et une Gardia Panthère, mais pas de costume. Donc c'est déjà une bonne chose. Et pour terminer, un petit Mister au niveau 59 qui est mourant, donc pas trop de soucis a priori. Donc j'ai 6 frappes à faire. En toute logique, on va viser celui-là, 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 celui-là peut-être, ou celui-là. Il fera 4, 5, 6, selon comment évoluent les choses. Si je vois que je tente de faire une rétamée, bah, je vais pas aller faire grand-chose. Mais ce qui est cool, c'est que c'est la première fois, je pense, que je fais mes frappes en toute tranquillité, sachant que l'adversaire ne pourra pas faire 1000 points de plus en 3 frappes. C'est juste impossible. 3 frappes d'ailleurs qui est obtenue par ce Mister-là. Donc même si je loupe avec 6 frappes à 0, ce qui bien sûr ne va pas arriver, je pense pas que j'aurai la malchance à ce point-là, ça m'est jamais arrivé. Dans tous les cas, ça va être une GDA entre guillemets relax. Alors je vais commencer par ce que j'estime être le plus casse-pied, c'est-à-dire là, avec une Sif et un Heimdall. Alors du coup, tac, tac. Tac, 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 tac. Suis de Where are you? Tac. Ensuite, tac. Tac.
Pense qu'on est pas mal. Ça a l'air suicidaire quand on regarde la puissance de l'équipe, mais vu que je suis très rapide, en toute logique, si j'ai un bon puzzle, ça devrait largement passer. Enfin, remarque, c'est un peu le cas pour toutes les mains très rapides, vous allez dire. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on a de bon? Alors, on a quelques rouges, c'est pas mal, mais j'aimerais bien voulu avoir du violet. Là, parfait, j'en ai quelques-uns. Tac. J'en ai trois de plus. Tac. Oh yes! Et c'est parti. Allez hop, tac. Et un petit colline qui devrait faire bien mal. Allez, fais-toi plaisir. Oh yes, ça c'est nice. Tac, il faudrait que j'arrive à dégommer Heimdall. Sauf que l'action n'est pas soignée, c'est dommage. Mais le purifier plaise est négatif. Donc, j'ai quand même. Probablement j'ai un peu de temps, mais pas trop. Ça, pour l'instant, ils sont inoffensifs. Tac. Alors là, j'ai du rouge qui arrive, tant mieux. Et je trouve de pouvoir faire du violet et ainsi me soigner et les empêcher d'avoir des fichtres d'effets positifs. Parce que là, mine de rien, c'est pas que c'est dangereux, mais. Oula, stop, stop. Leur envoi, ça fait mal. Allez hop, on se calme. On bourrine un bon coup. Voilà, c'est magnifique. On va bloquer ceux qui ressuscitent. Voilà, là on arrête pas mal. Bon, plus de proté. Et plus de Maléfique Herbe. C'est pas si mal en soi, vu qu'il a dégommé ceux qui avaient le moins de PV, donc ça laisse le temps aux autres de pouvoir se régénérer. Imdele KO, c'est parfait. Je pense qu'elle va mourir. Ah, non. 640. Ah, fichtre, elle se soigne. Et moi, je pourrais plus me soigner. 610, purée, il lui restait plus que 37 PV. Ça, c'est dommage. Hop. Nickel, du rouge. Hop. J'aimerais bien la dégommer avant qu'elle revienne encore avec des points de vie. Double esquive, mais la brûlure devrait l'achever, donc ça va. Tac, on aligne les verts. Et ça me fera 4 rouges, qui n'a pas le dégommer, il ne restera plus que. Scrogning Alexandrine, et on aura fini. Oula, stop, stop. Ah, nickel, la brûlure l'a achevé, on n'en parle plus. Allez hop, tac. Puzzle s'enjaille, hop. Alexandrine est une question de temps avant qu'elle crève, de toute façon, ça ne va pas être trop grave. Là. On va laisser le bugger implacable faire son taf, on va juste ne pas la toucher. Ça sera bon. Voilà, ça c'est fait. Et une petite victoire pour Edgar, une petite victoire. Une seconde, une équipe 4100 max bleu, j'attends de voir si tu as un doute sur une équipe adverse. Ok, ça marche. Max bleu, donc du coup je pourrais lui laisser celui-là, comme ça. Oui, je pense que je vais laisser celui-là. Ensuite, qu'est-ce qui va être ensuite bien casse-pied selon moi? Je pense que cette équipe en toute logique, parce qu'il y a une maudite dame du lac. Donc là, par exemple, faire plaisir, tac, tac, je vais pas ménager, tac, tac, tac. Et pour conclure, petit Wukong en costume pour bourriner vite fait bien fait. Allez hop, et c'est parti. Ouh, ça c'est pas mal. Tac.
Là encore. Tac. Oh, magnifique. Tout est. Non, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Tac. Yes, Wukong. Dis-moi que t'es la dame du lac. Fichtre, pas encore. Mais si je fais le combo, le bleu se vient, ensuite tu meurs. Yes, on n'en parle plus. Ah bah voilà, purée, c'était vachement rapide. C'est fou quand même. En quelques tuiles à peine, j'ai achevé la petite méchante du milieu. Comme quoi, les trois jaunes là, ça a payé. Belle stat d'attaque. Là. Il ne me restera plus qu'à dégommer ceux qui restent. Hop, hop. Chapeauté, à mon sens, je trouve que c'est malgré tout c'est un bon héros, mais juste que c'est il faut faire de bons coups pour qu'il soit joli, sinon il va. D'où est-ce qu'il esquive tout? Sinon il va pas faire grand-chose. Parce que tout seul, je vais il est nul, mais si je pense qu'on fait un bon combo, il y a moyen de bien l'exploiter. Ça c'est fait. Ensuite, tac, tac. Un elfe de nuggets, on dirait que je suis en train de lire. Bah, Kaelus, bah, pour Kaelus, allez go. Kim qui me reste debout, m'attaque. Avec tac. Quoique, tac, tac. Et en vert. J'ai pas grand chose. Si je prendrais un duo jaune, non, je crois pas non plus. Un quoi qu'un très rapide, tac, lui pourrait être pas mal. Et lui aussi. Et c'est parti. Alors, j'ai trois violets, c'est pas mal, mais si j'en ai pas d'autres, ça va pas le faire. On va voir s'il y en a d'autres qui arrivent. J'en ai que trois. Dommage. Dommage, le puzzle s'est joué, mais pas. Il y était presque. Fichtre, elle a pas de se soigner. Tac, tac. Tac, tac. C'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Et mince, j'ai. T'sais, franchement, j'ai un problème. J'ai pas mis son costume. J'ai un souci, j'ai pas mis son costume. Du coup, j'ai aucun soigneur. Oh la grosse gaffe. Je suis maudit. À chaque fois que je la mets, si vous regardez mes vidéos précédentes, à chaque fois j'oublie son purée de costume. C'est pas possible. Par contre, ça va payer très cher. Purée bouclier de mana, du coup, je peux pas l'affronter. Fichtre. Là j'ai le seum. Ah le seum, vous pouvez pas imaginer. Bon. Du coup, tac. Et tac. Oh non, là je suis deg, je suis l'homme le plus dégoûté du monde. Purée, en fantôme, j'aurais pu gagner un peu de temps, mais là non, c'est mort. Où il va soigner? Non, je m'arrête. Oh, c'est moche. Ouh, que c'est pas beau. Ah, c'est pas beau. Ah, c'est
vachement pas beau. Et jure ma revanche, on va partir sur du bourrinage. Tac, 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 tac. Et pourquoi pas, un mono rouge, allez, du bourrinage sans cervelle, et c'est parti. Ah, quoique là j'en ai quelques-uns, j'en ai trois qui s'alignent, mais c'est loin d'être suffisant, je pense. Tac. Oh yes! Et yes! Bon débarras, et tu dégages. Allez, tac, tac. Bon, je fais le Commodore en 2-2. Tac, 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 tac. Non mais oh, ça t'apprendra. Et un petit mono pour le fun. Il me reste deux frappes. Et il me reste deux frappes. Lui pour sûr. Lui faudrait du vert. Alors là, on va sortir ma petite dame du lac. On va faire plaisir avec un petit caméléon. Ça va pas mal booster l'attaque. Et est-ce que je ferais pas mon équipe un peu prématurée, mais tout de même pas mal. Parce que là, du coup, j'ai une équipe à sbire. Moi, il y a Gamelon, ça fait la potache, mais j'ai une équipe à sbire, donc on va voir si ça sera rentabilisé ou peut-être que je me suicide aussi. C'est aussi quelque chose qui est très probable. Alors, voilà, j'ai déjà trois verts, c'est pas mal. Là, j'ai trois bleus. Là, j'ai encore du vert. Purée, franchement, t'as bien pris. Allez, hop. Hop, Dingon qui est prêt. Hop, allez, faut que t'attaques Uranus. Ah, dommage, là je l'aurais bien apprécié qu'il attaque. Ah, quoique, vu qu'il m'a attaqué juste avant, du coup j'ai plus de sbires, donc au final c'est pas trop méchant. J'ai quelques verres. Puis il a un premier gardien comme nous, il n'aurait pas de me le manger. Là, allez, chapeauté. Joue vite. Joue vite. Oh, fichtre. T'as pas pu attendre juste un tour de plus. Juste un tour de plus. Ça aurait été parfait. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite. Et ensuite, allez hop, ça dégage. Cent76, c'est une blague. Après, la max de défense, il est pas très haut niveau, mais j'aurais espéré quand même mieux. Tant pis. J'ai plus gagné un caméléon, ce qui sous-entend aussi que j'ai donc absolument plus rien pour débuffer leur effet positif. Et ça, par contre, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'était très très moche ce que je suis en train de vous montrer là. C'est très très moche. C'est très moche. Ah, j'ai plus une dame du lac. Ça, c'est dommage. Et fichtre, elle soigne une seconde fois. Là, je pense pas que j'aurai le temps de faire beaucoup de dégâts pour compenser son soin. C'est vraiment dommage. Là, franchement, je suis une partie nulle et pitoyable.
On va essayer d'avoir un petit peu Uranus, ce sera déjà une maigre consolation. Voilà, stop, stop, laisse-moi attaquer au moins avant de mourir. Oh la honte, ah franchement j'ai honte. Ah la honte absolue et totale. Qu'est-ce qui me reste? Tac, tac, tac. On va faire tac. On va assurer les deux ici avec un petit nom pour un soin en plus. Et du renvoi. Ça aurait pas mal. J'espère que je vais vaincre l'Ève des Nuggets, parce que sinon, c'est vraiment dommage. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, je n'en veux pas. Ça, je n'en veux pas non plus. Alors, j'ai trois bleus, mais j'ai pas envie de les mettre sur Vivica. Ce serait un peu alors, la dernière personne que j'ai envie qu'il joue actuellement. Et ça pique. Uranus qui va déjà jouer une seconde fois. Version mana qui est détériorée pour deux tours. Non, je peux pas attendre, faut que je joue de suite. BT, l'esquive. Une petite revanche. Dites-moi que je vais voir Uranus, dites-moi que je vais le voir. Yes. Déjà un problème en moins. Et hop, et je renvoie. Et hop, sur Vivica. Et encore sur Vivica. Là, c'est bon, il n'y a plus Vivica. Ça, c'est moins une bonne nouvelle. Tac, tac, ça dégage. Moi, il me faudrait accessoirement du verre pour me soigner. Franchement, je serais fan. On s'en fait mal. Ça a bien piqué. Quatre-vingt-treize dégâts par tour. On va attendre. J'espère que j'ai bien fait. Alors, il n'y a plus de renvoi, mais eux, ils vont mourir, de toute façon, vu qu'il n'y a plus de soins. Donc, on va essayer de dégommer la plus dangereuse. C'est-à-dire, toi. Est-ce que j'ai du vert ou du bleu? Yes, là, j'en ai un peu. J'ai du vert, yes! Yes! Oh, la glace, elle est partie! Oh, yes! Peut-être un poil plus facile. Allez, yes, on se soigne. Allez, vite, toi, tu dégages. J'étais pas là, mais bon, c'est pas grave. Les bleus, yes, c'est bon. Il n'y a plus de casse-pieds. Bon, voilà. J'aurai eu ma petite revanche. Combien de tours on leur envoie un tour? Bon, on va attendre. Tac, tac. Tac, tac, tac. Et voilà, ça c'est fait. Bon, en tout cas, je suis pas trop trop fier. Bon, après, mana rapide, c'est pas une valeur sûre, mais tout de même. C'est vrai que l'alliance, elle a cartonné. On est entre Chatou, moi, Blue et Ghost, on est à peu près pareil. Et il y a Corona et Eliana qui, pouf, sont démarqués.
Et mine de rien, il y a Brady tout de même. L'alliance, la sienne, aura beau être en train de perdre. Lui, en tout cas, il aura le meilleur score. N'empêche qu'on est presque que du bleu. Bon, en tout cas, c'est tout. Tout pour aujourd'hui, ma foi. Il nous reste du coup trois frappes. On est large, on les domine largement. Il nous reste chacun trois frappes. Il y en a actuellement 1600 de plus. Donc autant vous dire qu'on est. Ça fait du bien. Et en plus, si j'ai pas de bêtises, on aura le petit coffre de guerre. Du coup, je pourrai avoir le montrer plus tard ce soir. Et voilà. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Prenez grandement soin de vous et à très vite.